J'en arrive visiblement au 97e jour de post-production de ce film. Il est assez impressionnant pour moi de constater à quel point la difficulté réelle a dépassé la difficulté estimée au départ du projet. En fait, de l'autre côté du mur, c'était pas forcément un film que je voulais faire, mais face à l'engouement de mon ami Bruno François Boucher, producteur, distributeur, mais aussi réalisateur. Quand il a lu le sujet, il m'a dit, si, c'est un film que tu dois faire parce qu'avec ce que tu sais faire, il en ressortira forcément quelque chose de différent. Donc je m'y suis lancé, le tournage a été à nouveau une expérience extraordinaire. Et puis, tout ce qui en a suivi, là maintenant, la post-production. Un film avec de tout petits effets spéciaux, avec des incrustations élémentaires, mais qui exigent finalement, même quand c'est pas très difficile, une somme de travail énorme. Il ne faut pas se plaindre, hein, quand on doit travailler énormément, au contraire, c'est un privilège que de savoir faire des films, pas forcément bien les faire, ou pas forcément faire de bons films, mais se dire que on se lance dans cette aventure-là, dans l'espoir, parce que nous n'avons pas d'impératif économique, de pouvoir proposer quelque chose de différent au public. Voilà. En fait, un film, c'est beaucoup moins l'histoire qu'il raconte qui est intéressant, mais la manière dont cette histoire est racontée, parce qu'aujourd'hui, vu la somme de romans, de nouvelles, de films longs, courts, moyens, toutes les histoires ont été racontées. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence de votre film? Qu'est-ce qui va faire sa singularité? Eh bien, ce sera votre style cinématographique. Tellement de films aujourd'hui n'ont aucun style, ne sont que de simples photographies d'acteurs superposées dans l'espoir de raconter, convenablement ou pas, une histoire. Donc là, c'est un film de genre qui utilise un genre cinématographique qui est un peu le fantastique, mais replacé dans un contexte du quotidien, c'est-à-dire une histoire qui pourrait arriver à tout le monde, mais avec une dimension symbolique et métaphorique. Et c'est ce traitement-là qui est différent par rapport au film qui traiterait justement de ce sujet-là. C'est long, c'est parfois fastidieux, c'est souvent décourageant, mais un jour je sais que le film sera projeté sur un écran, et là je me dirais, tiens, tu te souviens le premier jour où tu as écrit séquence 1, intérieur jour, et aujourd'hui, ce sont des images et des sons.